Bon, depuis votre arrivée à Rouen, il y a eu des victoires en play-off, des matchs importants, des derbies, des remontées. Celle-là, je pense que dans le contexte actuel, au vu des derniers mois, c'est peut-être l'une des plus importantes. Oui, alors oui, de toute façon, toutes les victoires sont importantes, mais je te rejoins par rapport au contexte. On n'a pas d'autre choix, de toute façon, quoi qu'il arrive, de continuer à se bagarrer, de chercher des solutions, malgré les joueurs qui sont sur le banc et en civil. Malgré tout ça, il n'est aucunement question de baisser les bras et de lâcher. Et effectivement, cette victoire-là a un peu arraché la fin, malheureusement. Enfin, heureusement parce qu'on gagne, mais malheureusement sur la forme, c'est dommage. Nous fait beaucoup de bien parce que ça valide tous les efforts des joueurs qui sont valides et qui donnent beaucoup depuis 3 semaines. Et ça valide aussi un état d'esprit qui est remarquable. Je le soulignais, depuis le début. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs et d'équipes comme ça qui penseraient plutôt me, myself and I. Et là, on est plutôt dans, on va essayer de bagarrer ensemble. Il faut se rappeler qu'on a 3 joueurs qui sont là depuis moins d'un mois. Et donc, construire un collectif et un état d'esprit sur moins d'un mois, évidemment, vous mesurez la tâche que ça peut être. Et donc, effectivement, c'est une victoire qui fait du bien. Ça fait du bien de revoir des sourires aussi. Retrouver des sourires, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors. Pour les spectateurs, on a senti les spectateurs qui poussaient, qui prenaient du plaisir, mais qui aussi ont eu peur à la fin, parce que encore une fois, je pense que cette équipe-là est en train d'apprendre dans la douleur comment gagner, et on espère qu'avec les retours au fur et à mesure des uns et puis des autres, on va continuer à construire ensemble une équipe solide, comme les 3 premiers quart-temps, et pas donner le bâton pour se faire battre sur le quatrième, où là, c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur. On a vu deux visages très différents. Oui. Une équipe tout en maîtrise, en confiance et tout ça. Et puis à la fin, on a vu que c'était encore fragile, sans doute. Oui, on a des très jeunes joueurs. Vous rendez compte que quand Georgi Simonovic sort, mes 3 arrières, ils ont moins de 21 ans. Et donc, Lucas a 21 ans, Marcus a 21 ans, et entre Matteo Coway et Lucas de Maïs, c'est 17 et 18 ans. Donc c'est un peu couillu, mais on n'avait pas beaucoup d'autres choix. Puisque fallait qu'on essaie de monter la balle quand même. Et donc, on se rend compte que, oui, il nous manque des joueurs, et c'est surtout sur les mêmes postes qu'il nous manque des joueurs, aux postes arrière. Mais je ne veux pas jeter la pierre aux joueurs qui étaient présents, parce qu'ils ont fait le boulot pendant 3 quarts temps. Ils ont été valeureux, courageux. Tours venait de gagner quand même 4 matchs avec une seule défaite. On a été gagné à Nancy. Attention, hein, c'est quand même pas neutre. La seule défaite qu'ils ont eue, c'était à Vichy, dans un match qui était assez dur. Donc, il faut mesurer le niveau de performance de ce soir, en restant humble quand même, évidemment, au regard de notre situation. C'est-à-dire que c'est dur, chaque semaine, de perdre, et parfois des gros écarts. On sait pourquoi on perd, mais il faut apprendre plus vite que les autres dans ces cas-là, surtout pour les jeunes. Et donc là, ça fait du bien de souffler un petit peu, d'en profiter pendant 24 heures, et ensuite de pouvoir se remettre tout de suite au travail pour essayer d'aller accrocher la deuxième avant la trêve, qui nous permettra peut-être, je l'espère, de retrouver tous nos blessés. Comment vous jugez ces trois premiers cartons qui, de l'extérieur, ont été excellents? Ça a été les 3 meilleurs depuis le début de la saison. Comment vous jugez cette prestation avant d'aborder un peu cette fin de match? Je resterai assez humble parce que je crois que je n'ai pas toujours reconnu l'équipe de Tours, même si on a certainement fait ce qu'il fallait. En défense, d'abord, je pense. Mais il y a aussi parfois, je pense que Tours a peut-être un peu vendangé certaines occasions ou n'a pas été aussi bon que j'ai pu les voir parfois. Alors peut-être c'est nous qui les avons un petit peu aidés. Mais je vais rester humble par rapport à ça parce que je me rappelle d'où on vient et je n'ai pas envie de nous jeter des fleurs de trop. Certainement qu'on a fait des bonnes choses. Certainement que c'est appréciable pour un coach de voir que quand on met des choses en place, ça peut fonctionner. Que quand les joueurs ils combattent ensemble, ça peut fonctionner aussi. Là où j'attendais vraiment mes joueurs, c'était vraiment sur le rebond défensif et le repli défensif. Le rebond défensif, ils prennent seulement 7 rebonds offensifs, donc ça c'est plutôt intéressant, ils en avaient 4 à la mi-temps. Donc ça c'est bien. Et après, les fast break points, ils sont à 20, mais ça vient surtout du 4e quart-temps, où là on prend 31 points, on gagne les 3 premiers quart-temps, et en fait c'est juste à la fin où on leur donne les munitions pour qu'ils nous tuent. Et donc peut-être qu'il n'aurait pas fallu jouer 3-4 minutes de plus parce que non seulement on n'avait plus trop de gaz, mais on n'avait plus trop de combattants non plus. C'est de la fatigue, le fait d'avoir donné énormément dans l'intensité, notamment sur les 3 premiers quart-temps, et de perdre un peu d'énergie sur la fin. C'est la peur de voir cette première victoire arriver. Comment vous expliquez le fait
de ça te fait peur sur les 4-5 dernières minutes? Je pense que la réponse est dans la question. Les réponses sont dans la question, c'est un petit peu un mix des deux. C'est une équipe qui, encore une fois, n'a pas encore gagné ensemble une seule fois. Donc là, c'est chose faite. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude de mener, autant au score. C'est une équipe qui est très jeune. Et donc, y a des hauts et puis des bas. Et face à cette pression, parfois, on a voulu accélérer, alors qu'il aurait fallu, au contraire, ralentir, se passer la balle et juste profiter des différents mismatchs qu'il pouvait y avoir, puisqu'ils étaient sur une défense où ils changeaient partout. Et donc, il aurait juste fallu être capable de se passer la balle et de punir ensuite. Mais on a voulu parfois accélérer. On a les qualités de nos défauts. On est jeune, donc on a de l'énergie, mais on a aussi parfois un petit peu de précipitation, c'est ce qui s'est passé, et de manque d'organisation. Et donc on a voulu un petit peu, pas sauver le bateau tout seul, mais parfois montrer qu'on était capable. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire mieux, pour pas se faire peur autant. Bon, évidemment, on n'aura pas la chance de toujours être autant devant de cette façon-là, mais on aurait pu s'épargner des petites frayeurs à la fin, plus facilement, juste en contrôlant le tempo et en perdant moins de balles à la fin surtout. L'impression qu'on a aussi, c'est que tout le monde a été au niveau, vraiment sur les 10, je crois 10 joueurs utilisés, tout le monde a rempli sa part du travail en sortant du banc, les titulaires. Est-ce que c'est le même sentiment que tout le monde vraiment a été à son niveau? On a utilisé 9 joueurs et Lucas de Maïs Balou a été important. C'est celui qui a joué le moins, mais il a été important. Il nous met un tir à un moment donné, il fait souffler Lucas, il rentre à la fin pour essayer de sécuriser la balle, il fait une bonne passe, on avait besoin de jouer avec un arrière de plus. Matteo était important. Je veux parler d'eux d'abord parce que, les cadres ont fait le job, mais ces deux-là ont été importants parce qu'ils ont compris leur rôle. Le rôle d'un jeune dans une équipe, c'est de pas se faire battre un contre un. Bon, Matteo a pris un dunk sur la tête, j'aurais préféré qu'il fasse une faute d'abord. Être opportuniste et ne pas coûter en fait à l'équipe. Ce qu'ils ont su faire ensuite. Et ça, c'est important. Donc eux, je veux les mettre en avant. Et puis il y a un joueur que j'aime aussi bien dans son attitude, même s'il est souvent dispendieux en termes de ballon, c'est Georgie, qui je trouve a un impact sur l'équipe et une dimension physique qui fait que ça nous sécurise quand même pas mal. Là, il commence à mettre des tirs en plus. C'est un Serbe, donc normalement les Serbes ça met des tirs. C'est quelqu'un de structuré, structurant, physique, prend soin de son corps, qui comprend bien le basket et qui est là pour donner et pas penser que pour lui. Donc bon, voilà. Alors après, je pourrais tous les citer, mais j'ai bien aimé l'énergie collective qu'on a pu avoir. Je pense que c'est ce qui est ressorti sur les 3 premiers cartons où on fait 19, 19 et 17 en défense. C'est bien. Si on peut garder l'équipe sur ce nombre de points encaissés, je pense que c'est bien. Encore une fois, c'est juste les cartons, il nous manque un petit peu les anciens pour gérer ce genre de situation. Il y a un ancien qui devrait revenir la semaine prochaine, Sébastien Drou, qui va revenir un peu dans la rotation. C'est un peu l'idée là sur la semaine prochaine. Oui, il a fait 2 entraînements avec nous, il a fait beaucoup d'individuels avant. Alexandre Demazière a fait un super travail. PE, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps aussi, malgré la blessure qu'il a pu subir la veille du premier match. Et là, il revient même un petit peu plus tôt que prévu. On n'a pas voulu prendre de risque pour aujourd'hui, pour pas que ça reparte pour encore une durée indéterminée. Bon, c'est bien pour nous qu'on retrouve des forces vives, déjà pour la qualité à l'entraînement. La qualité augmente. Et puis ensuite, pour avoir des munitions en plus et pouvoir faire tourner un petit peu plus. Georgie joue 30 minutes, 31 minutes. On l'a vraiment essayé d'économiser sur le premier quart-temps, sur la première mi-temps, pour faire souffler, parce qu'on saurait qu'on en aurait besoin après. Mais oui, ça amène à un peu de dureté en plus sur le poste 2, ce qui ne sera pas trop. Bon, j'ai quand même noté que Tour a joué sans Vincent Pourchaud, ça change aussi un petit peu la donne en termes de dissuasion. Donc on mesure tous ce que ça fait que d'avoir un joueur en moins. On peut parler de Blois. Tyrone Johnson est pas là, tout de suite ça met un petit peu des petits grains de sable. Bon, nous on en a eu 3, donc enfin 4, mais on en a remplacé un. Donc il faut mesurer encore une fois la performance collective de l'équipe, vraiment, qui s'est pas désunie pendant cette période qui était très difficile, qui a continué à travailler physiquement alors qu'on pourrait être sur la retenue pour pas se blesser. Et puis les blessés qui eux continuent à faire leur travail parce qu'ils veulent revenir. Et PE donc en fait partie. Et j'espère que Benoît Injai et Philippe Adamovic vont faire de même
le plus vite possible, parce qu'on en a évidemment besoin pour pouvoir maintenant lancer la machine et rattraper notre retard, parce que mine de rien, on a pris du retard. Est-ce que je peux vous donner un petit mot sur le plus tour en jeu, des, le meilleur tour en jeu ce soir sur le Dites-moi. Michel Bruys. Oui. Oui. Un petit mot c'est vrai. Sur ce qu'il apporte, parce que c'est une bonne pièce, hein, j'imagine, arriver juste avant le début du championnat. C'était un bon choix, quoi, du coup. Hein. Lucas, c'est un jeune joueur encore, puisqu'il n'a que 21 ans. C'est un joueur qui ne triche pas. C'est un joueur qui travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Il dit jamais non. Il veut toujours plus. Des fois, même, il veut me sortir du lit. Et j'y vais, parce que moi, j'aime bien les joueurs qui travaillent. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, s'ils pouvaient tous me sortir du lit, je dormirais à la salle. Lucas, c'est quelqu'un qui comprend bien le basket, qui a un vrai tir, qui amène de la vitesse, qui doit encore progresser sur un ou deux points. Parce que c'est normal, il est encore très jeune. Mais j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup son état d'esprit. C'était une opportunité puisqu'il ne jouait pas sur Gravelines. Donc on lui a offert une chance sur la saison d'avoir du temps de jeu. Notamment sur ce début de saison où il en a énormément. Et il répond présent, même si c'est dur pour lui. Meneur, scoreur, et puis il joue 28 et, entre 28 et 30 minutes à chaque fois, voire même plus. Après il faut qu'il apprenne aussi, faut qu'il s'étoffe pour que physiquement il puisse mettre son corps un peu plus en opposition. Et puis, sur la fin de match, d'être capable d'être un peu le patron, de mettre la balle sous le bras et puis de faire un peu voyager la balle. Mais je dirais qu'on a beaucoup plus de plus que de choses à améliorer. Mais il y a des points à améliorer. Et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'est un jeune joueur qui a encore une marge de progression. Et l'objectif pour lui, c'est évidemment de se rapprocher, d'être un très fort meneur titulaire en Pro B. Évidemment, pourquoi pas plus tard retrouver la première dive, mais heureusement qu'il est là, parce que sinon on serait vraiment très embêtés.